La croissanterie est un concept de restauration rapide à la française qui est sur le marché depuis plus de 30 ans, donc qui est bien connu du public, du grand public, et qui a évolué au travers du temps, au travers des produits dans la mesure où à aujourd'hui nous avons une gamme plus élargie, à savoir des sandwichs, bien sûr, des salades, des produits sucrés et salés très confortables. Et notamment, cette année, nous avons mis en place une structure avec un chef cuisinier, Yvan Cadieu, qui nous apporte en plus vraiment des recettes travaillées, adaptées au goût du consommateur. Alors cette année, on a eu des croissanteries qui ont ouvert en franchise, des franchisés indépendants, donc on a eu quelques ouvertures, mais surtout, enfin, on a un gros développement avec un partenaire qui s'appelle Total, où on implante des croissanteries sur les aires d'autoroute, mais également sur leur station, leur grosse station Total. Donc globalement, sur 2011, on va avoir ouvert entre 16 et 18 points de vente la croissanterie sous contrat de franchise. Et sur 2012, je suppose que ce sera la question suivante, on a à peu près le même style de développement, entre 15 et 20 points de vente par restaurant en franchise. Alors à ce jour, on est à 180 points de vente et il n'y a pas de limite. Je veux dire que sur le marché français, on a encore beaucoup de possibilités au niveau du centre-ville, puisque nous étions initialement très spécialisés en centres commerciaux et très implantés en centres commerciaux. Globalement, sur toute la France, toutes les régions sont ouvertes. Il faut compter entre 250 000 euros, 270 000 euros d'investissement et il faut un apport personnel de 100 000 euros hors rachat du fonds de commerce, du droit au bail.